Attends, celle-là, elle est bien. Viens faire. À chaque fois. Les belles bijoux. Bon allez, l'armée. Oui. Sans les gars. Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. T'as peur. Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Aïcha, Aïcha, réponds-moi. C'est bien. Stylé, stylé. Et ça serait bien de le proposer aux radios françaises aussi. Ça claque. Ça claque, ça claque. Il fallait que je fasse un truc sur Free Freedom Dom. Ils ont dit qu'ils ont trop kiffé. Et ils m'ont juste demandé si je pouvais... Qu'est-ce qu'ils ont dit déjà? Est-ce qu'on peut tenter de rentrer le beat à 45 secondes? Et sinon, est-ce que ça pourrait pas monter d'un cran à la fin, rajouter un élément qui rajoute du punch à 2.12? Il disait là... Oui. Ah, de le kick. Ouais. Toi, tu peux faire un kick sourd. Ouais, peut-être. Hein. Un truc comme ça. Ou alors, faudrait pas que ce soit trop crescendo, peut-être. Parce que là, je l'ai fait crescendo qui se déséclaircit. Peut-être qu'il faut qu'il soit régulier. Ouais, ça, c'est bien. C'est bien? Ok. Mais donc, du coup, il voulait que ça monte d'un step à la fin. Tu préfères quoi pour la fin? Donc, soit ce HH, là. Ça. Celui-là est plus puissant, quoi. Oui, ça marche plutôt pas mal. Je vais voir si ça leur plaît. Mais ça part plus, ouais. Ok. Demain, il fait pas beau. Donc on profite des rayons de soleil pour prendre le goûter. Le goûter de 19h38. Sinon, aujourd'hui, on a fait énormément d'administratifs, gérer des sorties, des contrats, des formulaires à remplir pour envoyer des infos promo au label pour qu'ils puissent pitcher le morceau, playlist. C'est tout un bazar à chaque fois, à chaque sortie. Mais du coup, on a fait beaucoup ça. J'ai cherché quelques idées sur D'Amico et Valax. J'ai pas réécouté depuis parce que j'ai envie d'oublier un peu, comme d'hab. Et comme ça, j'écouterai pour voir vraiment ce que j'en pense tout à l'heure. Là, présentement, je me souviens plus de ce que ça fait, donc c'est très bien. Et sinon, on a Night pitché... Shyamalan, Night Shyamalan, Night Shyamalan. Je pars... Shyamalan. Non, Shyamalan. Night Shyamalan. Shyamalan. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Ah, c'est bien. Et donc, on a fait sinon le pitch des morceaux playlist. Donc, on a pitché Gimme More pour Nitona. T'expliques tout. Oui. Et The Loneliest pour Lauren et Simon Park. Et toi, t'as fini le remix pour Free Freedom Dom. Moi, j'explique tout ce que j'ai fait aussi. Vas-y. On est en train de chercher des partenaires pour la promotion de Stay the Night qui sort à la rentrée avec Chamessel. Mmh. Et donc voilà, j'étais en train de gérer ça. Parce qu'il y a des gens qui sont partants pour bosser avec nous. On est en train de voir avec eux comment on peut mettre en place un partenariat. On est aussi en train de finaliser la signature avec District 6. Donc on va signer un contrat d'édition. On vous en a déjà parlé, mais ça fait un moment. Mais là, on est enfin au bout, donc on va signer le contrat avec eux. Et j'ai finalisé le remix de Free Freedom Dom. Et donc géré pour que Seb fasse le mastering et tout ça. Et puis voir pour la date de sortie, comment on le sort. Et voilà. Ah si, j'ai mis la poignée de la porte de mon studio. Et moi, j'ai fait de la peinture dans mon studio et je vais changer la poignée aussi. Toi, tu la changes pas parce qu'elle avait lâché, tu la changes parce qu'elle était moche. Ouais. Et là, on va aller voir au cinéma Les Guetteurs, qui a l'air trop bien. Ah oui, on est allé voir Bad Boys hier soir, et il est trop bien. Moi, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais un peu oublié les autres. Du coup, ça me donne envie de revoir les autres. Ouais, faut les revoir. Parce qu'en fait, c'était trop bien. Et du coup, vu que j'ai fini toutes les retouches de peinture dans mon studio, j'ai changé la poignée, il manquait qu'un petit truc, c'était les petites fleurs pour mettre dans mes petits vases, et je les ai reçues. Ah, c'est bon, les muffins. Ouais. J'ai pris ça chez Florette. Ils sont trop jolis, on dirait des vrais. C'est trop bien fait. On a des fleurs de pavot et des gerberas. C'est moi qui a choisi. C'est Lulu qui a choisi.
T'as pré-choisi. J'ai pré-choisi, mais sauf que après j'avais trop de fleurs, j'arrive. Donc dans un pot, je vais mettre ces deux-là. Et dans l'autre pot, je vais mettre ces deux-là. Allez, on revient du cinéma, qu'est-ce qu'il va y avoir? Top Chef. Mais non. Secret Story. Oui, Top Chef, mais moi je pensais à... Secret Story. C'est là. Famille. C'est une. Dinguerie. Déjà, il faut que j'enlève mes petits bitonios. Oh là là, tu peux couper, hein, on peut y arriver. J'ai dit, tu l'as compris. A few moments later. Dun, 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 dun. C'est long. Bam, bam, bam. Tu me mets dans le pot? Bah tu attends. On veut voir ce que ça rend. Tout le monde attend que ça, c'est long. Bon, ça y est, je passe à une autre vidéo. Hop. Joseph Verbeccio. L'UNIS, c'est trop long, c'est chiant. Ah, enfin, quelque chose d'intéressant. Ah, c'est pas mal, ça. Trop joli. C'est trop mimi. Oui. Et la petite poignée toute neuve. Avec son rose. Nickel. Cela signifie qu'une onde stéréo sera divisée en canaux gauche et droite vers les deux sorties liées. Oui, bah, comment tu fais ça? Explique-moi. Mais je suis filmé. Elle n'est même pas captée. Donc, on est en train de préparer le live de l'UNIS qui arrive dans une semaine à peu près, dans 8 jours. Donc là, il faut que, en gros, sur scène, on joue donc les guitares, les voix, mais derrière, il y a des basses, des drums qui sont samplés. Des synthés aussi, qui sont lancés par un sampleur. Et donc là, en gros, je suis en train de préparer tout ce qui n'est pas joué sur scène pour que tout soit bien dans la machine et que tout se lance bien, quoi. Voilà, c'est un peu galère. En fait, je suis en train de réfléchir en même temps à ce que je fais. C'est un peu cérébral, du coup, je suis un peu en bug. Donc là, c'est parti pour faire ça. Donc c'est quoi après, dans le sablier? C'est grandir. Je vais juste réfléchir après, je vais poser tout le live. Voir s'il manque des séquences et après je vais sur ce genre de morceau, tu vois, je vais réfléchir parce que c'est celui-là dont je suis le moins sûr. Les autres, je suis sûr. C'est quoi après? Sombrero. Sombrero. Nous sommes vendredi. J'ai enregistré mon idée pour D'Amico et Valax il y a 2 jours. Du coup, je vais la réécouter. Là, pour le coup, je me souviens plus de rien. Donc, c'est là que je vais me rendre compte si vraiment je trouve ça cool ou pas. Et après, je pense que je vais enregistrer. Il y avait un artiste qui voulait que j'enregistre. Voilà, de Barbara Pravi, mais en hyper techno. Donc, je vais essayer ça. Je me rends pas du tout compte si c'est compliqué ou pas, je connais pas trop. Donc, je vais écouter, mais d'abord, on écoute ça. C'est stylé, en vrai, j'aime bien. En vrai, je trouve tout méga stylé, sauf le premier couplet qui est très genre carnivoule, entre carnivoule et Deftones. Et je sais pas si c'est pas trop rock par rapport à ce qu'ils ont en tête. C'est ma seule question. C'est ça, il y a un côté aussi Linkin Park, bon, c'est très rock, quoi. Mais moi, je trouve ça cool, le contraste. Donc, faut voir ce qu'ils en pensent. On va voir. Je vais écouter à Louis d'abord. Je ferai écouter à Louis. Mais là, du coup, je vais faire Barbara Pravi. Donc quand je disais que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, c'est pas évident en fait, parce que c'est une chanson qui est très free à la base, et là on est sur un rythme hyper techno avec un truc hyper tenu. Donc déjà son acap qui m'a mis derrière, bah il colle pas trop. Donc il faut que je suive l'acap quand même, parce que je le connais pas, et en même temps que je m'en détache pour être calée. Ça va être rigolo. Ah, regardez-moi, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. Je sais pas comment le faire. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Ok, donc il y a du mieux. C'est beaucoup plus dur que ce que je pensais à chanter. Vraiment. Ok, on va passer au refrain. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais pas pourquoi je leur ai pas dit que c'était 1000 fois trop aigu pour moi. J'avais pas tilté sur le moment que c'était aussi aigu. Parce qu'en fait, ça paraît si simple pour elle quand elle le fait qu'on se rend pas compte que c'est méga aigu. Ça va être dur. Voilà, 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 voilà qui je
suis, me voilà, même si mise à nu c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri, me voilà, tant pis. C'est super dur. La vache. Et ça part encore plus aigu après. Voilà, 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 juste ici. Moi, mon rêve, mon envie, comme j'en crève, comme j'en ris, me voilà dans le bruit et dans le silence. C'est très dur. Je pense que je vais continuer plutôt, parce que je vais me casser la voix. Putain, je sais pas si je vais y arriver à cette tonne. Regardez-moi enfin, me voilà. Regardez-moi enfin, et mes yeux et mes mains, tout ce que j'ai est ici, c'est ma gueule, c'est mon cri. C'est impossible. Me voilà, me voilà, me voilà, me voilà. Je sais pas du tout si j'aurai ce qu'il faut. En vrai, c'est possible que je les plante, parce que je sais pas si je vais la voir. Et ben figurez-vous que je pense que ça va pas être si dégueu, finalement. Et par contre, il va y avoir beaucoup de travail de calage. Mais en vrai, je pense que ça va être cool. Regardez-moi, avant que je me déteste. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Dieu merci, on a inventé l'autotune, mais je pense que ça va être cool. Parce qu'en vrai, on écoute sans autotune, j'ai un doute. C'est vachement précis quand même sans l'autotune là. Mais bon, avec les mélodies, on va avoir un résultat naturel et ça c'est cool. Je vous montrerai. Toi tu fais et puis dans le gros blanc, et puis moi je fais tintin. Tu vois ? Et je me suis dit que je laissais la batterie parce que c'est court à la fin. C'est juste pour que ça, ça fasse un côté. On était en acoustique tout du long. Il y a le truc qui arrive avec les violons. Et d'un coup, les gens ils s'attendent pas que ça parte en disto et grosse. Et je me suis dit qu'on le gardait vraiment que pour la fin. Sur le live, t'aimes bien ? Oui, j'aime bien. L'idée ? Voilà. Et après, voilà, donc il y a celle-là qu'il va falloir refaire les stems. Tout le reste, c'est fait. Et il faut décider si on fait tout seul. Et il faut décider de aussi si on en fait en acoustique. En fait, il faudrait qu'on se refasse Pornic dans la tête et qu'on se dise, ça, ça marchait de fou. La partie flemme, fleur au pisto, Bruxelles, elle marche trop bien. Je l'ai réécouté tout à l'heure, là, ça marche du tonnerre. Il est 1h37. J'ai fini le Melodyne de Voilà. Du coup, je vais mettre mes effets et puis on va écouter tout ça. Non. Bah c'est nickel. T'aimes bien? J'aime trop la boucle que ça. Voilà, voilà. Eh ouais, c'est techno Berlin. Je sais pas comment... C'est vachement bien. Bah c'est bien, si c'est vachement bien. Mais par contre j'ai un truc à te faire écouter, attends, attends. Patrick Wolf. Regardez le 22 Patrick Wolf. La gueule est à jour, c'était pas content. Et le 21, on part à Paris. J'espère pas. C'est la merde. On a concert à la fête de la musique de Quimper place Saint-Quentin. Mais dans l'agenda, c'est marqué Paris. Y a un bug, les calculs sont pas bons. C'est chiant, j'ai fait exporter, ça fait ça. D'habitude, ça ah me oui, fait jamais fait ça. En temps réel. Mais je fais jamais ça. Mais c'est pas grave, t'attends. C'est long, je veux tirer avec un truc, moi. Ah oui. Bah ouais. Je crois que ça allait être long pour toi, bah mais ouais. Pas pour moi. Non, bah si, pour toi aussi. Ah non, c'est chiant. Vas-y, on danse du coup en attendant. C'est pas encore fini de bouncer, du coup on danse. On ouvre les mains. Voilà, on ouvre les mains. Je fais pas le bas du corps. Oui, il y a plein de trucs à faire. Attends, celle-là, elle est bien. Viens faire.
trouvais bien. Allez, on arrête les bêtises. Attends, mais que t'es resté tout là juste pour danser, il a oublié. Voilà toute la vie que je passe dans la vie. Qui a eu cette idée? Je sais pas. On est un cinglé. C'est bien. C'était hyper dur à chanter. Mais c'est hyper rapide en plus, alors que normalement c'est pas ça. Rapide comme ça. Ah ouais. C'est d'autant plus difficile parce que c'est rapide, mais au-delà de ça, la tona, elle est improbable cette tona. Mais c'est super rapide aussi, ça, ouais. La difficulté. L'original, elle est à 135. Je suis à 160. Alors, on va faire une petite chanson à la Edith Piaf. Hyper techno remise. Voilà. Moi, j'exporte ça, c'est bon. Je suis. Pour le live, on voulait rajouter une reprise très connue, dansante. Et on a regardé un peu ce qu'on avait déjà fait en reprise. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire un hommage à Françoise Hardy. Et puis, du coup, là, j'ai bossé une reprise, donc je suis très content. Et je vais te montrer. Là. Parce que j'ai revu la version. C'est inspiré de la version qu'on avait faite il y a 6 ans. Mais du coup, j'ai changé des trucs. Je peux pas vous dire que je... Pense à moi. Pense à moi. Pense à moi. Un truc comme ça. Et bien. Je pense que ça peut être bien. Alors, on se pose une question sur le solo. Donc, du coup, est-ce que vous trouvez que c'est bien de rajouter un petit solo à la fin, après qu'on ait fait « Pense à moi, 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 moi » ou alors, il faut rester sur « Pense à moi » et pas faire de solo à la fin. Donc, en gros, la version où il n'y a pas le solo, ça s'arrêterait là. Pense à moi. Pense à moi. Ou alors... Donc en gros, une partie comme ça, oui. Après. Donc qu'est-ce que vous préférez? Alors, du viens, on pose avant la fin. On oublie la fin. On oublie la fin. Viens, on met pose avant la fin. Ouais. On est en train de faire les delays et reverbs qui sont un peu spécifiques qu'on a envie d'avoir, en fait, sur le live. Donc on est en train de les préparer pour le live, pour qu'elles soient derrière nous. Ils sont partout, dans nos campagnes. Allez, on se concentre. Viens, on met pause à fond. La fin. T'es prêt? Oui. Donc voilà, on a mis les FX. Donc pour qu'ils comprennent, les gens, on va leur montrer en mode tout seul. Donc les delay, les FX, c'est ça. Donc tous ces genres d'ambiance-là, on les prépare avant. Pour qu'elle sonne sur nos voix quand on chante. Tu veux chanter? Pour qu'ils se rendent compte. Viens, on me pose à fond. À la fin. On oublie la fin. Viens, serre. Et puis, garde si ça. Les fins brutales, celles qui font ma vie en scène, et on met pause avant. Quoi? Mais c'est une trop bonne idée ça, pour la version studio. Si tu le fais, si tu le fais, tu pètes le game. Et du coup les gens ils attendent que tu le fasses non, en live. Non mais tu fais ça. Avec ta voix pétée après ça, tu sais. C'est quoi comme note? Ah putain, ça peut être fou que tu fasses ça. Bah, moi, pour ma vie, je regarde, c'était quoi une note aiguë? C'est un demi-ton. C'est un demi-ton en dessous le plus aigu. Du coup, je peux. Bah, c'est bien. Ça peut claquer. Sauf que j'ai jamais trop fait passer de voix pleine à voix mixte. Bah, ouais, mais faut essayer. Mais faut que j'essaye.